Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur de l'Ombre, sorti en 2007 sur Nintendo DS, donc une vieille console finalement. Et on va voir du coup, on va continuer du coup la saga qu'on avait commencé. Je joue sur l'émulateur Drastic si vous intéresse, marche pour les téléphones Android. J'ai fait un tuto pour apprendre à s'en servir si vous voulez. Par contre, il est payant, il doit avoir d'autres gratuites, j'ai dû faire des tutos là-dessus. Et j'utilise personnellement un téléphone Samsung S10e si ça vous intéresse. Je vais zoomer, vous inquiétez pas sur l'écran plus important parce que je sais qu'il y a deux écrans sur une DS, deux screen. Dual screen, pardon. Je sais pas comment ça se prononce. du coup, on va trouver les terres illusoires. On est en route pour tenter de porter les rois du temps de Masco à la tour du temps pour empêcher la paralysie de la planète. Donc voilà, on attend les jardins illusoires et on va y rentrer. Donc, tout ce qui sert à rien. Ouais, c'est un petit peu long des fois de lancer la sauvegarde. Et go, on y va. En route pour les terres illusoires. Enfin, la tour du temps plutôt. Et on est avec Masco qui va nous suivre. Niveau 46, ok, pas mal Masco. Alors moi j'aurais un peu de mal parce que je suis type plante contre type plante, c'est pas forcément le top. Plus il fait par contre, elle aura les défenses. Ok, étage 3. Plus de graines par ici, je sais plus quoi ça sert d'ailleurs, on verra bien. Alors elle a graines, ça va être pénible. D'accord. Ouais, pas tellement intéressant en fait. Ah, c'est glace par contre, ça c'est pas top pour moi. Là c'est fort contre les plantes donc c'est pas ouf. Et d'ailleurs, faut que je rende l'attaque à Poussifeu. Je l'avais bridé tout à l'heure parce qu'il fallait que. Enfin, la dernière fois. Parce qu'il fallait que combattre de l'eau, mais là maintenant, c'est pas forcément le mieux. Le feu, ça fera tout à fait d'être pas. Voir sera même mieux que ce que j'ai. Bon, ça va, j'ai l'air de faire le taf aussi. Même qui a du mal contre cela d'ailleurs. De type sol, je pense. Il a pu les faire heureusement pour le piège. Voilà, il a l'escalier. Et on aura fini avec la grêle. C'est bizarre, ouais, je pense qu'il a lancé la grêle. Hop, étage 6. Putain, un beau rayon de soleil, c'est très bien. Pour moi en tout cas, bon, j'ai escalier. Donc on avance plutôt bien moi je trouve, pour l'instant. Tâche 7. Après il y aura beaucoup, ils seront très longs les niveaux je crois dans ceux-là.
Je suis pas très fort sur Dracolosse malheureusement. Ah, pétage 8. Une résugraine, c'est top. J'en aurai besoin, je pense, dans ce niveau. Enfin, dans cet endroit plutôt. Enfin, dans ce niveau-là d'ailleurs. Même le petit feu est pas fort. Donc là, les Dracolos, on aura beaucoup de mal, hein, je pense. Bon, je suis pas, je suis confus, donc on peut pas faire grand chose. Bon, c'est bon, ça doit pas longtemps. Hop, étage 9. Gaffe au piège. Ça c'est pas le top. Bon, ça va, on a trouvé l'escalier assez facilement finalement. Étage 10. De sable. Ah, tempête de sable, ça bloque le soin. Du coup, il est pas très fort mon soin là. Non, il est à 50. Ouais. Ça du tout. Royal. pas une bleue, ça va pas nous intéresser forcément. L'escalier est ici. On va passer à étage 11 comme ça. L'escalier juste là en plus. Comment je le ramasser? On va manger la pomme au sol, de toute façon. Je pense qu'on aurait eu besoin de le faire dans le niveau. On a été Dracolos comme ça. Étage 12. Il vaut mieux que je le fasse à distance. Si j'y arrive.
c'est pas terrible. Bon, après Max Elixir, il n'y aura pas le choix. Et on récupère toutes nos compétences. Bon, il l'a eu. Qu'est-ce qu'elle est là? On va passer nos 34. Ah oui, on avait des virugraines à enlever. Ça sert à rien. On va quand même la manger au cas où, mais... Je crois que c'était pas ouf. Hop, étage 13. Étage 14. Il y en a l'escalier en plus. J'ai quand même envie de me débarrasser de lui. J'aurais pas dû. J'ai eu de la chance. J'aurais dû faire à distance, mon lâche. Allez hop, on avance. Le 15. Le 34, c'est cool ça. Ouais, tant pis. Ça passe pas. Même si ça fait pas contre petite feuille, vous me direz, mais... Mais non. J'aime bien cette attaque, en fait, j'ai pas envie de changer. Et donc là, on arrive au point... Relais. Et donc, à partir d'après, on passera la forêt. Donc on va continuer. Allez, go! Terre illusoire. Version 2. Bon, j'ai fait toutes les gelées que je pouvais. Heureusement que je suis resté empoisonné. Je savais pas que j'avais cet avantage. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été empoisonné avant.
Et là, je n'ai pas été tant que ça, effectivement. Hop, escalier, étage 2. C'est peut-être plus long ce niveau encore. Étage 3. Ah ouais, ça c'est bien, ça va faire. Comme j'ai monté les stats de l'attaque spéciale. Elle devrait être assez forte maintenant, mon écosphère. Hop, étage 3. Pas d'escalier et là escalier. Je vais faire un truc, j'oublie quoi. Ah oui. Voilà. On va pouvoir progresser plus rapidement. C'est assez long hein, les niveaux dans la série du joueur. Elle a pas l'air bien en point. Ah, juste. De la grêle. On va l'escalier là. Nickel. Étage 6. Un gros cul-de-sac avec un peu de final en plus. Ça marche jamais, hein.
Eh ben, tout ça pour avoir lui. Voilà, il appuie facilement celui-là. Hop, je suis pas endormi, ça va. Je pense que les pièges font vraiment des dégâts. Il faut vraiment quelque chose en vrai. Je suis assez resté en piège, j'ai l'impression. Voilà, étage 7. Bon, étage 8 en fait. Donc après qu'on monte là, comme on va à la tour. Et on a fini. On arrive aux ruines anciennes. Là, on va brouiller contre, j'ai oublié le nom, mais c'est de l'eau quoi, on va faire contre l'eau. Palkia et Delga, Pokémon de l'espace et du temps. Et on arrive du coup au vaisseau arc-en-ciel qui nous conduiront à la cour du temps. Des arbitres sont apparus dans Pokémon Perle et Diamant qui permettent de former une lettre. On est sur des soirs arc-en-ciel. Voilà quoi, ça va être le fragment de relique de plus qu'il fait depuis le début. Il servait du coup à activer le vaisseau arc-en-ciel. Sauf qu'on a une embuscade de Masco. De Noctuar, pardon. Noctuar qui me prenait une embuscade.
Donc tu dois... On a eu les Ténéfix. Appuie ça, hop. Ouais, ça tient, c'est très très fort. Et voilà, on a une octu noire. On a gagné le combat.
On va sauvegarder et on arrêtera une fois qu'on aura atteint la tour du temps. Et ainsi disparaissent Masco et Noctunoir. Chapitre final.
Et donc voici l'histoire arc-en-ciel qui fait l'arc-en-ciel du coup derrière lui, quand on veut. Monde du coup. Donc on va aller à la tour du temps. Donc nous voici devant la tour du temps et on va voir que des choses terribles se passent. Voilà, le sol tremble. La pluie va s'effondrer. Et donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va s'arrêter ici pour cette vidéo du coup. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, je vais faire plus quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos réponses dans les commentaires, à mettre un like si elle vous a plu, ou à vous abonner carrément même. Et on se verra plus tard pour la suite de cette aventure. On la terminera la prochaine fois, je pense. Ciao à tous.